page 618 dans nos Sidourim, il y a une phrase de Judas Lévi. Israël est parmi les nations comme le cœur parmi les organes du corps. C'est à la fois le plus malade et le mieux portant de tous. Pour certains d'entre vous, vous avez eu la gentillesse de m'en parler. Vous le savez, je vous ai partagé ce que j'ai ressenti en revenant de ce voyage avec l'ensemble des dirigeants communautaires, l'ensemble des dirigeants du judaïsme français, il y a 10 jours maintenant. Et je voulais vous dire des choses que je n'ai pas écrites, parce que la diffusion était trop large, et qu'il y a des choses qu'on ne peut partager qu'en famille, je dirais. Alors, avant, je voudrais juste dire à Aurèle et Isaac, moi, demain matin, je serai à la synagogue de Surmelin, et donc je ne vous verrai, je vous entendrai pas lire, mais avec votre double, enfin avec vos deux bar mitzvah, vous êtes ceux qui réchauffent le cœur de la communauté juive. Et je veux vous dire à vos familles que même si les temps sont particulièrement difficiles, votre présence et leur bar mitzvah sont si importantes pour notre communauté, pour cette synagogue et pour Jem tout entier. Ce que je voulais vous partager, c'était la chose suivante. Quand je suis rentré le mercredi avec l'avion, avec tous les dirigeants, nous étions, c'était assez incroyable dans cet avion, puisqu'il y avait un Rav Lubavitch, il y avait Joël Mergui, le président du consistoire de Paris, dont vous savez que lui et moi, nous avons quelquefois dans le passé eu des controverses. Il y avait Ilyich Orshia, le président du consistoire central, et le président du Bnei Brit, du CRIF, de l'UGF, etc. Il y avait une unité exceptionnelle, et cette unité n'a pas varié d'un millimètre depuis 15 jours, puisque le 7 octobre, la semaine dernière, mardi dernier, il y a eu un accueil des familles, des gens otages, enfin des otages, oui, si on peut dire le mot otage, et Joël Mergui m'a appelé chez moi en me disant « il faut que tu m'envoies le logo de GEM pour qu'on le rajoute à côté de ceux du consistoire ». Le peuple juif s'est rassemblé, tout entier. Dans le monde entier, le peuple juif s'est rassemblé. Certains m'ont demandé parmi vous ce qu'il était possible de faire en Israël. Il ne faut rien faire, il faut plutôt tout faire d'ici, c'est-à-dire donner de l'argent, ça c'est sûr. GEM a ouvert, vous savez, un fil vers la tête, l'organisation La Tête, qui est une organisation israélienne extrêmement importante, et qui agit avec d'autres associations israéliennes, et le mieux qu'on puisse faire, c'est leur donner de l'argent. Tout le reste ne fonctionne qu'avec un système de bénévolat où la société civile israélienne s'est levée comme jamais, et ça c'est extraordinaire. Je ne peux pas dire que c'est magnifique à voir, parce que c'est pour des raisons tellement dramatiques que c'est les pires des raisons, mais au moins le peuple israélien, en tant que communauté sociale, s'est levée, et peut-être elle a supplé un certain nombre de manques des élites. Mais ce que je voulais vous dire est plus personnel. Je suis rentré le mercredi, et je pensais venir aux offices partager ce que j'avais vécu avec les fidèles, avec vous ici, et puis à Surmelin, au Pelleport, et en fait je n'ai pas réussi. Le mercredi, j'ai dû aller en Seine-Maritime, avec ma famille, mes autres campagnes, et j'ai dû aller être seul. J'étais seul, c'est-à-dire ni ma femme ni mes enfants ne sont venus avec moi, parce que j'avais tellement besoin de réfléchir à ce que j'avais vécu, et je ne te l'ai même pas dit, je ne t'en ai pas parlé, je n'avais pas parlé à un de nos rabbins, je me suis mis à douter. Est-ce que je pouvais, moi qui prie, vous savez bien, même de façon assez visible, est-ce que je pouvais encore prier ? En ayant vu ce que nous ont montré les militaires à Kfar Aza et dans cet endroit militaire, Choura, où sont les corps calcinés, où ce travail terrible d'identification est en cours. Et vraiment, pendant 2-3 jours, j'ai été ébranlé. Et quand je vous dis ébranlé, j'ai été ébranlé jusque dans ma foi. Je viens d'un judaïsme consistorial, vous le savez, je l'ai assez répété. Donc je viens d'un judaïsme très, très ancré en moi, il m'a fallu 3 jours pour réfléchir et pour me dire qu'est-ce
que j'allais faire, comment j'allais le ressentir, pas le ressentir, le partager, c'est pour ça que je vous ai fait, que j'ai fait ce texte, mais aussi qu'est-ce que ça allait changer en moi. Et d'une certaine manière, je dirais que notre rabbin, ce soir, tu ne le sais pas, mais tu as raffermi ce que j'allais dire. La justice. Il n'y a rien d'autre dans notre foi, il n'y a rien d'autre dans notre judaïsme que la notion de justice. Oui, les morts palestiniens, des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes innocents à Gaza, est une souffrance pour tout être humain. Toute mort est une souffrance. Toute vie vaut une vie. Nous n'avons aucune hiérarchie dans la valeur d'une vie. En tant que juifs, nous protégeons toute vie humaine. Mais la justice, c'est de dire comment c'est arrivé. La justice, c'est d'être à ce moment de notre vie, et je le dis pour chacun et chacune d'entre vous, même pour les adolescents, dont, pour lesquels il est difficile de s'approprier ces paroles. Nous devons être dans la tristesse, et nous sommes dans une infinie tristesse. Mais nous devons être dans une détermination, et nous devons être dans la plus puissante des déterminations. Nous ne sommes pas des soldats, et nous ne sommes pas appelés par Tzahal pour aller combattre les armes à la main, même si, à tout âge que nous sommes, peut-être que nous sommes tentés de le faire. Israël n'a pas besoin de gens qui ne parlent pas l'hébreu couramment. Israël n'a besoin que de gens qui parlent l'hébreu absolument et totalement couramment, que ce soit pour des fonctions militaires, civiles, sociales. On ne sert à rien si on ne parle pas un hébreu courant en Israël. On complique la vie des Israéliens. Donc il ne faut pas y aller. En revanche, ici, en France, dans notre pays, nous avons à agir. Chacun et chacune d'entre vous, vous le savez. Et je parle pour tous ceux qui sont dans cette synagogue, j'allais dire dans la choule, je parle aussi pour tous ceux qui nous regardent chez eux. Vous êtes, nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, responsables du peuple juif. Nous avons tous fait notre bat ou notre bar mitzvah. Nous sommes devenus adultes, d'un point de vue juif, à 13 ans. L'âge des responsabilités. Elles ne nous ont pas quitté ces responsabilités. Elles se sont approfondies au fur et à mesure que la vie nous a donné de l'expérience. Partout où vous êtes, dans vos lieux de travail, dans vos responsabilités, si vous en avez, culturelles, associatives, sportives, scientifiques, dans vos ateliers, dans vos bureaux, partout où vous êtes, vous devez défendre Israël. Vous devez défendre le point de vue juif du monde, sur le monde. Vous devez dire, nous pleurons les morts palestiniens comme nous pleurons les morts israéliens, mais nous combattons les terroristes. Nous combattons ceux qui veulent tuer le peuple juif. Nous sommes un peuple qui a le droit d'être reconnu comme voulant vivre en paix. Pas plus que la paix, mais la paix. Et la paix, malheureusement, cela s'affirme. La paix, ce n'est pas un débat mièvre. L'exigence de la paix, ce n'est pas une exigence molle. L'exigence de la paix, c'est une exigence forte. Pour que Israël vive en paix, pour que l'ensemble des opinions publiques reconnaissent à Israël le droit de vivre en paix, à côté d'un État palestinien qui pourra lui-même vivre en paix quand il aura des dirigeants à la hauteur de la paix, capables d'apporter la paix à leur peuple, alors nous aurons agi. Mais nous devons le faire tous les jours, partout où nous sommes. Ce n'est pas juste une discussion devant un repas familial avec des gens qui sont d'accord avec vous. Il faut l'avoir avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Il faut convaincre, convaincre et convaincre encore. Que vous soyez avec 2 personnes, avec 10 personnes, avec 100 personnes, il ne faut pas avoir peur. Non, nous n'enlevons pas les mezouzotes de nos portes. Nous sommes des Juifs de France. La France a décidé, et je pense que le gouvernement, les autorités font tout ce qu'il faut. Il y a eu une réunion à la demande de Valérie Pécresse et de Joël Mergui, réunissant tous les présidents de communauté. C'est Jean-François Bensahel, mon coprésident, qui a représenté GEM, pour savoir les moyens que la région allait donner matériellement. Et Dad, qui est ici, qui est notre administrateur en charge de la sécurité dans le binôme avec Grégory et Copernic, travaille à améliorer les systèmes de sécurité ici, à Copernic et à l'Est. Nous avons tout ça à faire. Ne soyez pas faibles. Soyez forts de votre judaïsme. Soyez forts d'être des membres de GEM.
où que vous soyez, quoi qu'il se passe sur les réseaux sociaux, dans des écoles, dans des universités, si vous vous sentez seul, J'aime est à vos côtés. Et J'aime n'est pas tout seul. J'aime est aux côtés du consistoire, du Mnébri, de l'UEJF, du CRIF. Nous mettons en place des systèmes pour porter plainte au moindre soupçon d'antisémitisme. Nous agissons. Nous agissons avec un bras fort, d'une voix forte. Donc surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est incroyable, j'ai l'impression de répéter ce que disait Jean-Paul II il y a 25 ans. N'ayez pas peur d'être des juifs en France. N'ayez pas peur d'être les familles juives que vous êtes. N'ayez pas peur de ce que nous sommes moins nombreux, minoritaires, parce que nous serions que quelques 500 000 ou 600 000 ou 700 000 en France. D'ailleurs, là aussi, il y a un changement de voix, y compris chez nos amis du consistoire, puisque nous étions 450 000 d'un point de vue, académique, et maintenant nous serions 600, 700, 800 000 par la grâce de l'arrivée des familles juives qui ont des trajectoires complexes. Tant mieux. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est que à chaque fois que là où vous serez, vous portez la voix, ou vous exprimez, et vous avez en face de vous quelqu'un ou qui vous inquiète, ou qui réagit difficilement, qui est agressif, il y a quoi que ce soit, prévenez J'aime. Nous ne laisserons plus rien passer, rien de rien. L'État nous dit, ne laissez rien passer, nous serons à vos côtés. Il est vrai que Gabriel Attal a donné des consignes extrêmement claires au ministère de l'Éducation. Il est vrai que Gérald Darmanin a donné des consignes extrêmement claires pour le ministère de l'Intérieur. Pharos a reçu des consignes extrêmement claires. Donc nous pouvons avoir avec nous la puissance républicaine qui est à côté de la famille républicaine à laquelle nous appartenons, parce que nous prions tous les Shabbats pour la République française. Mais individuellement, enfin, ce que je dis sur la protection de l'État n'enlève rien de la responsabilité individuelle de chacune et chacun d'entre vous. Si nous voulons ramener les otages de Gaza en Israël, il faut le dire partout et l'exprimer d'une voix extrêmement claire, en toutes circonstances et dans tous les réseaux possibles. Nous avons fait la promesse autour d'une table au ministère des Affaires étrangères. Vous savez, j'ai écrit, quand cette petite fille de 12 ans pleurait dans mes bras parce que son père parlait si doucement de son frère de 19 ans enlevé par le Hamas, ce peu de cette fraction de seconde, de ce sentiment qu'ils m'ont donné, juste de ne pas se sentir seul, je l'ai fait en votre nom. J'étais venu ici avant de partir en Israël et j'avais demandé de le faire en votre nom ce voyage. Je l'ai fait au nom de tous les adhérents et les sympathisants de J'aime. Mais en échange, la promesse que nous avons faite à 25 devant ces familles d'otages, que nous ferons tout pour soutenir, pour aider, autant que nous sommes capables de mettre de l'énergie dans nos actions et dans nos paroles, le retour de nos otages en Israël, nous devons le faire absolument partout. Donc n'ayez pas peur, écrivez sur les réseaux sociaux, parlez devant des gens, parlez surtout devant des non-juifs. Nous allons lancer probablement, sur une suggestion de notre ami Delphine Orwiller, on a demandé à Johann Sfar l'accord, vous savez le rail qu'il a dessiné. On va prendre ce rail avec son accord, on va en faire des pins ou des et on va le donner, on va le diffuser. Mais il faut le donner à des non-juifs. Pour un juif porter un rail, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous le portent spontanément en collier. Mais là, il s'agit de le faire porter par le plus de non-juifs possible pour montrer comme signe que nous voulons le retour des otages dans leur famille. Et, encore une fois, n'ayez pas peur, et franchement, nous avons construit solidement avec tout le système du judaïsme français de quoi répondre à chacun, chacune de ceux qui auront la moindre attitude, le moindre mot qui ont des relents antisionistes ou antisémites. Je suis encore désolé pour les familles d'avoir eu des mots qui ne sont pas les mots les plus souriants ou les plus heureux, mais nous sommes dans un moment où la prise de responsabilité de nos bar mitzvah dès l'âge de 13 ans vaut pour tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait leur bat et bar mitzvah. Shabbat shalom.